crois qu'on va, vivre pas une après-midi d'horreur, mais une après-midi de beauté. On a eu un autre Patrick. Vous êtes bénis par les Patrick cet après-midi. Je vais commencer par me présenter. Alors, je suis Suisse, vous l'avez deviné. Moi, ce que j'ai à cœur, il y a deux choses que j'ai vraiment à cœur. Le premier, c'est le cœur à cœur avec Dieu. Ça, c'est tellement merveilleux. Et j'ai à cœur les vies transformées. Et j'ai vu, je suis venu à Pâques, je suis venu à l'Ascension, et j'ai vu, alors c'est surtout sur des dames, j'ai vu des dames qui avaient des sourires qu'elles n'avaient pas à Pâques ou à l'Ascension. Et puis ça me réjouit. Ça me réjouit parce que c'est le Seigneur qui est à l'œuvre. Moi, je me suis converti en 1980, je suis un vieux chrétien. Je me suis converti en milieu protestant, je ne savais même pas qu'il y avait un Saint-Esprit qui existait. Encore moins les dons de l'Esprit, encore moins les folies comme ici, quoi, c'est clair. J'ai commencé sur une autre planète, mais je peux vous dire que j'aime cette planète-là aussi. Amen. Et j'ai eu un très grand privilège, après quelques mois de conversion, j'ai pu faire un stage à la Croix-Bleue, puis là, il y avait une cellule de prière, on appelait ça comme ça à l'époque, et il y avait deux personnes très âgées, c'est-à-dire qu'elles étaient nées, j'ai fait le compte, en 1887. Oui, oui, oui. Mais ces personnes, j'ai jamais vu deux personnes très âgées qui rayonnaient, elles avaient une lumière sur elles. C'est là que je me suis dit, mais ça, je le veux. C'est en voyant la lumière sur ces personnes. C'était une vieille dame, elle était coquette comme tout, parce que prier, c'est important. Et elle faisait honneur à son mari. Ça rayonnait de tous les côtés. Et puis lui, c'est la génération où c'est l'homme qui lit la Bible. Hein, vous connaissez le verset que c'est le mari qui apporte la parole à la femme. Lui, il lisait la Bible et il avait une loupe. J'ai regardé la loupe, il y avait trois lettres sous la loupe. Tellement il ne voyait plus rien. Mais tellement il avait à cœur de lire la parole. Puis ces gens-là m'ont dit, mais dites-moi ce qu'ont besoin les jeunes. Ah oui, j'étais jeune à l'époque. Ils m'ont dit, vous savez, nous on prie 7 heures par jour. Ah, s'il y a eu des miracles dans les églises, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont prié. Et c'est des anciens missionnaires, ils habitaient au troisième étage pour payer moins de loyer, pour pouvoir donner plus à la mission. À 93 ans. Alors voilà, j'ai pas eu de papa spirituel. Les gens qui m'ont amené au Seigneur, ils se sont détournés très peu de temps après. Voilà. Mais le Seigneur a placé chaque fois des gens importants. Il n'a pas eu beaucoup, mais c'est chaque fois une grande bénédiction pour moi. Merci. Merci pour eux, merci pour chacun. Je crois que la majorité sont décédés maintenant, mais merci pour eux. Alors, je n'avais pas prévu, mais ce matin, le Seigneur m'a dit, parle aussi du parler en langue. Moi, le parler en langue, c'était une montagne. Enfin, au début, je ne savais pas que ça existait. Après, c'était inaccessible. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à soupirer, je ne le recevais jamais. J'ai attendu 23 ans pour parler en langue. Et j'ai prié, j'allais aux réunions de réveil. Il y a un ministère qui s'appelle Soteria en Suisse. C'était des orateurs sud-américains qui venaient, des orateurs en feu. Et moi, j'y croyais même plus. Il y avait un orateur, on m'a dit, il y a une onction sur lui, elle est telle
que la nuée dans sa chambre a déclenché l'alarme anti-incendie. Oui, tu avais témoigné, oui. Et puis justement, mais je m'y attendais plus, mais je peux vous dire que l'onction attire. C'était une scène, il y avait un mur, comme une scène, un mur d'un mètre et demi de haut devant la scène. Et puis les gens venaient sur scène, il y avait un escalier à chaque bout, mais les escaliers étaient bouchés. C'est ce qui fait que les gens, même des dames dans la septantaine, essayaient d'escalader ce mur. Alors j'aidais ces dames âgées à monter sur la scène. Et puis, je suis monté un des derniers quand il n'y avait plus personne à aider. Puis tout à coup, je reçois. Seigneur, mais c'est quoi ça? Puis je continue. Puis je voyais les gens qui tombaient. Puis le Seigneur me dit, c'est ton parler en langue. Une mitraillette, mais voilà. Voilà, c'est. Je veux dire, le. L'ennemi attaque ce qui est important en nous. L'ennemi a attaqué ma langue. Il a attaqué le parler en langue. J'ai beaucoup souffert de bégayement. C'est pas 100% guéri. Avec un micro, c'est tout facile. Mais quand il faut parler et qu'il y a un fond sonore très élevé, des fois, j'y arrive plus. Alors justement, beaucoup de bégayement. J'avais expliqué à un séminaire précédent, j'ai même perdu la langue de mes parents qui parlent suisse allemand. C'est une restauration en cours, mais j'ai encore soif de restauration. Je suis devant vous, mais ma restauration, elle n'est pas finie, mais elle est en cours. Je suis dans les dernières étapes, je sais. Et puis par la suite, j'ai plus reçu, mais pas grand-chose, toujours dans le parler en langue. Et puis j'ai reçu, vous l'avez peut-être entendu ce matin, le rugissement du lion. Et puis, c'était une expérience intéressante pour moi ce matin, parce que j'étais au fond de la salle, puis j'ai commencé à rugir, mais tout doucement, puis j'ai compris qu'il fallait s'avancer. Et puis, je me suis avancé jusqu'à être complètement devant, puis là, il y a eu un gros rugissement, et puis, je veux dire, mais je peux vous dire que c'est pas moi, hein. C'est pas moi. C'est pas moi, et des fois je rugis et ça sort, puis je me dis, mais Seigneur, il vient d'où le souffle? Puis ça continue à sortir. Mais c'est lui qui fait. C'est lui qui fait. Et tout ce que j'aimerais partager cet après-midi, c'est lui qui fait. J'aimerais commencer par un texte que j'ai reçu ce matin, c'est dans Michée 4, les versets 5 à 7. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Ce jour-là, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste de ceux qui étaient chassés, une nation puissante, et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Alors des boiteux, il n'y en a plus beaucoup, parce que la médecine a fait des progrès. Je pense qu'on doit être très nombreux ici à avoir une fois une opération à une jambe, et on n'est plus boiteux. Moi, je peux vous dire, il y a 50 ans, je marcherais avec une canne, mais j'étais opéré du genou, puis je gambade dans les montagnes. Mais quand la Bible parle de boiteux, c'est que il y a quelque chose qui boite en nous. Dans notre corps, dans notre âme, il y a quelque chose qui boite. Et à tous ceux qui ont été chassés des églises, chassés de leur famille, chassés des leurs. Et un verset, on a envie de dire, mais ce n'est pas dans la Bible ça, ceux que j'avais maltraités, c'est Dieu qui parle. Alors, c'est nouveau que Dieu maltraite les gens? C'est quoi cette histoire que Dieu maltraite des gens? Alors, il y a eu les tribus dispersées. Oui,
ils ont été, ils sont certains, les 10 tribus du Nord sont encore dispersées. Il y en a quelques-uns qui sont revenus, mais très peu. Ceux qui sont maltraités par Dieu, c'est ceux qui ont eu un long chemin dans le péché. Un long chemin qui savent, qui connaissent Dieu, mais qui n'y arrivent pas. Et Dieu met des épreuves quelque part de plus en plus difficiles pour qu'on crie à lui. C'est la maltraitance de Dieu. C'est pour qu'on crie à lui, parce que lui désire nous bénir. Et que notre vraie maltraitance cesse. Pendant que je préparais, alors je préparais deux messages, mais la parole qui résonnait dans mon cœur, c'est cette parole qu'on connaît bien, « Je suis doux et humble de cœur ». C'est Jésus qui parle de lui. Et j'aimerais parler de la vraie douceur. Pas de la douceur humaine qui est faiblesse, qui est gentillesse. La gentillesse, c'est terriblement humain. La douceur divine, c'est la précision. Dieu nous connaît exactement, il sait exactement ce qu'on a vécu et il sait exactement comment agir et quand agir avec chacun de nous. Elle est d'une précision, mais incroyable. À tout moment, mais il connaît quand je peux. Et je sais que cet après-midi, ça va être le moment pour plusieurs de recevoir. Il y a une onction de douceur, il y a une onction de courage aussi. J'ai oublié de le mentionner. Je voulais en parler à l'introduction. Il paraît que les Patrick, j'ai lu une fois, les Patrick sont des hommes courageux. Alors là, vous avez eu deux Patrick cet après-midi. On a besoin de courage. On a besoin de courage pour sortir. Besoin de courage pour dire « Amen ». Maintenant, je veux recevoir. Maintenant, Seigneur, je décide de te faire confiance. Et puis j'avance. Je vous l'ai dit, quand j'étais au fond de la salle avec mon rugissement, il n'y avait pas de puissance. Si vous êtes appelé, il faudra avancer après. Si vous voulez que ça change, il faudra avancer. Et puis, il y a une sorte de courage pour avancer. Puis je vais commencer par un coup de gueule. Excusez-moi, il va être très doux. Mais moi je travaille avec des gens en difficulté. Ce n'est pas mon activité professionnelle. Mon activité professionnelle, elle est dans une entreprise de machines-outils. C'est-à-dire que toutes les personnes que j'accompagne, c'est à côté, c'est en plus le soir. Mais j'ai trop entendu de témoignages de personnes mal accueillies. Mal accueilli dans les églises, mal accueilli dans les réunions chrétiennes. Alors je ne parle pas des personnes qui se sont mal comportées, parce que malheureusement ça existe aussi. Je parle des personnes, alors j'ai un peu listé, les personnes qui sont en grande souffrance, les personnes abusées, les personnes hypersensibles, les personnes fragiles. Il y a des personnes qui ont eu, j'ai une amie, elle a eu un traumatisme crânien. Elle a perdu beaucoup de ses capacités. Elle a vraiment été mal accueillie. Et toutes ces personnes souffrent de rejet, puis ça remet une couche de rejet. Et ça suffit de maltraiter les petits. Dieu n'est pas d'accord qu'on maltraite les petits. C'est le Dieu des veuves et des orphelins. Il a payé un prix tellement cher pour chacun de nous qu'il n'est pas d'accord qu'on maltraite ceux pour qui il a payé le prix. Amen. C'est important. Et la douceur n'empêche pas la colère. La colère, souvent, dans les milieux religieux, c'est mauvais la colère. Non, la colère, c'est quand il y a une injustice. C'est une réaction à une injustice.
C'est une force, la colère. Il y a un moment, la colère est... La sainte colère. Je ne parle pas de la vengeance humaine. Je parle de la sainte colère parce qu'il y a une injustice. On peut se mettre en sainte colère pour les autres. En sainte colère, justement, pour les personnes abusées. En sainte colère, pour les enfants. Et si on veut être des combattants, si on veut être des guerriers, il y aura des saintes colères. Et puis je fais une petite parenthèse pour les musiciens. Enfin, je parle de cette sainte colère, mais ce matin, moi j'ai entendu dans les cieux beaucoup de marches militaires. Amen. Il y a des marches militaires dans les cieux. Avec des tambours, je peux vous dire que c'est rythmé. Avec des cuivres, ça y va, ça souffle. Il y a de la puissance, il y a de la force. On a à redécouvrir, et je crois que vous allez recevoir des marches militaires, mais du ciel. Et je peux vous dire, je suis objecteur de conscience. Je suis un ancien objecteur de conscience qui a refusé de faire l'armée, qui était en prison parce que j'ai refusé l'armée. Mais guerrier pour Dieu, c'est autre chose. Mais ce mauvais accueil, il se nourrit d'une doctrine mal comprise. La doctrine qui dit, si tu n'es pas encore guéri, c'est qu'il y a un péché dans ta vie. Autant dire que toutes les personnes qui ont vécu des abus, je ne sais pas qui était libéré en un claquement de doigts. Ça prend du temps. Cette fausse compréhension qui dit si tu n'es pas bien, c'est que tu es incrédule. Alors c'est vrai que guérison et péché sont liés, mais les péchés, est-ce que c'est les miens? Ça peut aussi être ceux... Moi, je peux vous dire, j'ai 3 générations d'abus sexuels avant moi dans ma famille. Alors moi, je n'ai pas été abusé, merci papa. Merci papa, merci de ne pas avoir reproduit ce que tu as subi. Mais c'était inscrit en moi. J'étais porteur de tout ça. Quand j'ai commencé à me former pour les abus sexuels, je vois les personnes autour de moi. Bon, c'était en majorité des dames, des dames abusées. Puis je découvre que j'ai la même sensibilité qu'elles. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que mon papa m'a abusé avant l'âge de la mémoire. Je me suis posé la question, puis j'ai découvert que non, c'est pas ça, mais je suis porteur de ça. Mais le Seigneur, on a fait des bonnes choses. Je reviens à ces personnes mal accueillies, parce que il n'y a pas uniquement le rejet, il y a le jugement, l'exclusion. Et l'Église ne voit plus sa poutre. J'aimerais relire un texte que l'on connaît bien. C'est Matthieu, verset 7, les versets 1 à 5. « Ne jugez point, afin que ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et l'insinuation qu'il y a un péché caché envers les personnes survivantes d'abus, c'est particulièrement odieux. Et c'est pour ça qu'on a l'image de la poutre.
Et ce n'est pas une image qui est tellement exagérée que ça. Les commentaires sur la poutre, j'ai souvent lu bah, que c'est une espèce de métaphore exagérée. Non, non, c'est tellement gros, ça fait tellement mal que c'est une poutre. Et les victimes sont comme assommées par cette poutre. Alors je ne parle pas non plus. Des fois, on accueille de manière répétée, avec bonté, des personnes en grande souffrance et qui ne veulent pas quitter leur souffrance. Je ne parle pas de ça. Ça serait un autre sujet. J'aimerais un petit peu préciser ce qu'on appelle abus. C'est pas qu'on ne le sache pas, c'est que bien souvent, les victimes d'abus nient le fait d'avoir été abusées. C'est pas si grave, ça arrive à tout le monde, c'est normal, les hommes sont comme ça. Non. Et l'abus n'est pas uniquement sexuel, il est aussi émotionnel et spirituel. Il y a plusieurs types d'abus différents. Alors un abus sexuel, ça désigne toutes les violences physiques à caractère sexuel, commises par la force ou sous la contrainte, y compris biblique, ou à la faveur de rapports inégaux. Ou simplement la menace suffit. La menace de l'abus est déjà abus. Et l'abus peut être à l'intérieur du couple. Marié. C'est pas qu'à l'extérieur, et c'est pas que des méchants hommes, entre guillemets. Il y a hélas aussi des hommes victimes d'abus, il n'y a pas que des femmes, la majorité. On estime, c'est quand même 80% environ de victimes femmes, mais il y a des victimes hommes et il y a aussi l'abus homosexuel. Chez les hommes ou chez les femmes, hein? Forcer une femme à avorter, c'est également un abus. Puis la répétition des abus, ça augmente les dégâts. C'est comme si chaque fois, on détruit un peu plus à l'intérieur. Et la capacité à dire non n'existe plus. Il y a des femmes qui ont avorté jusqu'à 10 fois ou 12 fois. Pourquoi ? C'est que tout ce qui se passe là en bas, ça vaut rien du tout. Et il n'y a plus aucun respect, y compris de soi-même. L'abus émotionnel, c'est un comportement psychologique destructeur. De la part d'une autorité en position de pouvoir, c'est-à-dire un parent, un prof, n'importe quelle autorité, aussi des personnes de confiance. Et la caractéristique de cet abus, c'est une attaque continuelle sur l'estime de soi. J'ai une femme, elle m'a témoigné une fois. Son mari, je ne sais pas s'il faut l'appeler mari, lui a posé une pièce de 20 centimes d'euros sur la table et lui a dit « Tu vois, tu vaux moins que ça. » Et je dois un peu insister sur cet abus, ça m'a été montré. Il y a aussi un abus émotionnel qui est par omission. L'omission, c'est quand les parents ou les responsables ne font pas. Ne font pas, je veux dire, le minimum. C'est-à-dire les repas, les, un,
minimum éducatif, un minimum de soins. Quand on a des parents, enfin ceux qui s'appellent, ou ceux qui ont ce rôle-là, qui sont totalement égoïstes. Alors, je connaissais un homme, sa maman, elle remplissait le frigo. Il n'avait jamais connu de repas de sa vie. Il ne savait pas que les gens mangeaient des repas. Mais c'est normal pour lui. C'est sa norme. Et la norme, justement, on ne reçoit pas de soin. La norme, c'est de ne pas prendre soin. Et excusez-moi, c'est répandu dans les milieux chrétiens. C'est répandu dans les milieux chrétiens. C'est répandu parmi ceux et celles qui courent les séminaires. Qui se remplissent de spirituel, mais en réalité, ils ne prennent pas soin d'eux. Je connaissais une femme, je croyais qu'elle était hyper spirituelle, mais je veux dire, entre guillemets, dans les réunions chrétiennes, elle était géniale, cette femme. Puis je lui ai demandé de devenir la marraine de mon fils. C'était l'écroulement, parce que prendre une responsabilité, c'était impossible. Et puis ce sont des personnes, je veux dire, qui se passionnent de sujets spirituels, bien sûr, de spirituel. Alors le corps, c'est clair que le corps ne compte quasiment pas. Prendre soin, je l'ai déjà dit, mais la caractéristique de ces personnes, c'est qu'elles deviennent passionnées de sujets secondaires. Elles vont parler à tout le monde, entre guillemets, de sujets qui n'intéressent personne. Alors ça n'intéresse pas personne. Il y a des sujets secondaires qui sont très importants pour les gens qui sont appelés sur ce terrain-là. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Et justement, quand on ne prend pas soin de soi et qu'on devient hyper spirituel, il y a un problème avec l'entourage. Alors, on se croit attaqué. C'est de la faute de l'ennemi, c'est clair? Non, si on ne prend pas soin de soi. Alors, je vous ai dit, j'ai à cœur les personnes transformées. Parce que je sais, et j'ai la conviction profonde, et puis j'en ai souvent eu la démonstration, que notre premier appel, c'est d'être des témoins. Et quand le témoin est transformé, quand le témoin vit des choses impossibles à vivre, ce n'est pas uniquement les guérisons physiques, c'est aussi les changements profonds de comportement. Je veux dire, vous pouvez multiplier les séminaires, si votre comportement n'est pas bon et que votre comportement ne change pas, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Ça ne marche pas. Et il y a encore un troisième abus que j'aimerais parler, c'est l'abus spirituel. L'abus spirituel, c'est quand on prétend pouvoir dire à quelqu'un ce qui vient de Dieu. Alors, il faut faire très attention, parce que dans la prophétie, nous recevons pour les autres. Nous recevons de la part de Dieu pour les autres. Et puis l'abus, il n'est pas loin du tout. On doit être extrêmement prudent, d'être extrêmement respectueux. C'est une des raisons. Moi j'ai appris qu'on ne pose jamais la main sur quelqu'un pour prier sans lui demander son accord. Alors c'est clair, si c'est votre compagnon de prière que vous retrouvez souvent, il n'y a aucun souci de lui poser la main sur l'épaule. C'est votre ami, il n'y a pas de souci, mais une personne inconnue. Non, on ne touche pas quelqu'un sans son accord.
c'est à nouveau un abus. Et ça, alors si la personne, peut-être sur 99 personnes, il n'y a aucun souci, mais sur la centième, ça peut être une catastrophe, parce qu'il y a autre chose qui s'enclenche. Il y a une clé pour éviter l'abus spirituel. La clé, c'est que la conviction doit venir de moi. Si je reçois, toi mon frère, tu dois te marier avec cette dame. Oui, ça vient de Dieu. Il faut obéir. Hein. Non, ça ne veut pas marcher avec toi, je sais. Mais les convictions, de mariage, les convictions du lieu où on habite, les convictions d'appel. Dieu parle à la personne, premièrement. Les prophéties, c'est que des confirmations. Ce n'est pas plus que ça. On doit être modeste aussi, hein. On doit être modeste, on ne reçoit pas les choses importantes pour les autres. On est juste là pour soutenir, pour aider. On est un phare des fois, mais on n'est pas le volant. Hein. Moi, j'aimerais demander pardon. Je vais demander pardon pour toutes les personnes qui ont été mal accueillies. Parce que on va parler d'un texte grave. Et j'aimerais d'abord demander pardon pour toutes les personnes abusées qui ont été mal accueillies dans les différentes réunions chrétiennes. Et s'il y a des responsables spirituels qui m'écoutent, alors je vous invite à réfléchir comment vous avez accueilli. Et s'il n'y a aucune personne abusée dans votre cercle, dans votre église, c'est qu'elles sont déjà reparties. Et je vais prendre un texte dans la Bible qui parle d'invitation et d'accueil. C'est dans Matthieu, chapitre 22, les versets 1 à 7. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Alors cette semaine, moi j'ai reçu l'image qu'on a invité un festin. Hein. Ici, dans cette salle, enfin en bas aussi, on a un festin au rez-de-chaussée, mais ici on a un sacré festin. Et on est invité. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, chacun à son champ. Celui-là, son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il y a beaucoup à dire sur ce texte. Il s'est déjà passé littéralement une fois, c'est-à-dire que le serviteur Jésus a été tué et Jérusalem a été détruite. Puis il est en train de s'accomplir une deuxième fois, malheureusement. Avec les chrétiens qui ne sont pas prêts au retour de Jésus. Alors je pense que vous savez tous ce qu'est un mariage. On a vécu soit le nôtre, soit celui de nos amis, de frères, de sœurs. Qui c'est qu'on invite à un mariage? La famille. Les témoins, les amis proches, oui, éventuellement des amis d'enfance.
et des collègues, plutôt pour l'apéro. Ouais. Oui, l'apéro. Mais si on vient d'une autre culture, on invite tout le village. Et puis notre roi, il a fait pareil. Il a invité sa famille. Il a invité ses amis. Il a invité les proches. Puis c'est une grande fête. On a un roi qui est généreux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand Dieu donne, il donne toujours trop. On a un Dieu qui est généreux de nature. Il nous donne pour nous, puis il y en a encore pour les autres, et encore pour les autres. Et là, il se passe quelque chose d'impensable. Imaginez à votre propre mariage les invités qui ne viennent pas. Waouh. Gloups. Il y a de quoi être fâché, hein? Tout est prêt, le repas est prêt, les cuistots ont fait leur travail, et ils ne viennent pas. C'est quelque chose de complètement impensable. Et pourtant, ils avaient tous quelque chose de plus important. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient de plus important? Ben, c'est les programmes de multiplication d'églises. C'est les séminaires de motivation par l'essentiel. Je fais une parenthèse. J'étais une fois dans une église et quand je suis arrivé dans les groupes de prière, on lisait un livre qui s'appelait 40 jours pour l'essentiel, Rick Warren. Puis j'étais pas à l'aise avec ce livre. Puis j'ai demandé à Dieu, t'en penses quoi? Montre-moi. Et il m'a simplement dit, mais regarde comment il parle de ma croix. Et je me suis mis à lire, à tourner les pages. Je suis arrivé aux alentours du 2/3 du livre, et il y avait un chapitre sur la croix comme un point secondaire. Mais j'ai aimé, Dieu n'a pas critiqué. Il m'a juste donné un critère pour discerner. Et on est appelé à discerner, on n'est pas appelé à critiquer. J'en reviens à mes invités qui ont des formations pour prêcher avec plus d'efficacité. Il faut que ça ramène des dollars. C'est clair, je suis ici pour me remplir les poches. Hein. J'espère que vous ne m'oublierez pas. Ils font des cours de marketing parce qu'il faut que l'église grandisse. Et tout ça, c'est devenu tellement important. Ils ont bien raison dans leurs cours parce qu'ils vont pas rencontrer ces casse-pieds d'abusés des gens qui guérissent pas. Je suis ironique en disant, ils ont bien raison, hein. J'ai juste actualisé le texte biblique. Et ça va même plus loin. Il tue les serviteurs. Boum. C'est pas moi, c'est la parole. Hein. Alors aujourd'hui, on est un peu mieux éduqué. On est meilleur, en tout cas pour les apparences. On tue pas. Mais on fait taire, on pousse dehors. Et on va tuer au niveau spirituel. Ah, celle-là. Ah, mais qu'est-ce qu'elle nous a cassé les pieds, quelle mauvaise chrétienne. C'est comme ça qu'on tue aujourd'hui. Et il n'y a pas de place pour Jésus. Et il y a un message à retenir. C'est que lorsque nos priorités d'église passent en premier, on passe d'invité à un festin. On passe à quoi? On passe à meurtrier. Moi, je préfère être invité au festin. Hein. Et il ne faut pas s'y tromper, c'est les premiers invités qui mettent à mort les serviteurs. Excusez-moi, on va être mis à mort.
Alors peut-être pas la mort physique, mais il y a des gens qui voudront nous descendre, qui voudront nous tuer, qui voudront nous faire taire. Bon, ça, c'est pas nouveau, hein. Parce qu'on fait ce qu'ils ne font plus, c'est mettre la croix en premier. Mettre Jésus en priorité numéro un. Et c'est là que tout ce qui est important se passe. Mais c'est insupportable pour les bons chrétiens qui ont suivi les bons cours. Pas les cours de folie ici, hein. Ils ont les bons papiers, ils ont les bons pasteurs, ils fréquentent les bonnes églises. Heureusement, il y a des vraies bonnes églises. Je vais continuer le texte, parce que ce n'est pas fini, hein. Alors le roi dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Et j'aimerais lire le texte parallèle. Il est dans Luc, au chapitre 14, les versets 21 à 24. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement !» On n'a plus de temps à attendre, hein. Dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » On retrouve les boiteux, c'est bien. Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins, le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Le maître de la maison, il était irrité. On a un Dieu, on a tellement dit Dieu, Dieu bon, oui il est bon, oui il est doux, puis oui il est irrité. Il y a des moments, il est irrité. Il est irrité quand il appelle et qu'on ne vient pas. Mais c'est pas... Je veux dire, ce n'est pas l'irritation du jugement dernier. Il envoie encore des serviteurs. On a un Dieu qui est extrêmement patient, lent à la colère. Et les serviteurs, ils vont chercher tous ceux qui sont au bord de la route. Alors la Bible dit les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. En langage moderne, les blessés de la vie, les survivants d'abus, les exclus, les fragiles, les paumés. Les bons, les méchants. Les guéris et les pas encore guéris. C'est pas à nous de faire le tri. Et ceux qui avaient été méprisés ont la place d'honneur. Et j'ai envie de dire, dans le réveil qui vient, il y a une place d'honneur pour ces personnes-là. Et on a besoin de vous, je vais en parler. Puis le texte de Luc nous dit qu'il y a encore de la place. Et il faut aller chercher ceux qui se cachent. Il va y avoir une première vague, elle est déjà en cours, hein, mais où on va chercher tous ceux qui ont été maltraités d'une manière ou d'une autre, les abusés, tout ça. Et il y a une deuxième vague, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas ne pas se cacher. Dans certaines villes, il y a des gens qui vivent dans les égouts. Il y a des gens qui ont fait de la prison. Il y a des gens qui sont eux-mêmes des abuseurs, des meurtriers. Je peux vous dire, pour avoir été en prison, pour avoir refusé l'armée, je me suis retrouvé face à face à un meurtrier une fois. Il m'a dit, « Ah, moi j'ai tué l'amant de ma femme, je ne supportais pas. » Froidement. Ces gens-là ont aussi besoin de la croix. Et parmi les personnes les pires du monde, on va encore aller les chercher. Mais ce que je crois, c'est que
entre guillemets, on va déjà, commençons déjà à accueillir comme il faut, à soutenir, à aider, à délivrer. Je suis dans la relation d'aide depuis une dizaine d'années, enfin 13 ans même. Puis j'ai reçu une parole dernièrement, parce que je disais, mais Seigneur, comment on va faire pour accueillir tous ces gens? Ça met des années. Je pense à une personne, c'était un Italien qu'on a suivi avec une collègue, c'était l'enfant d'un viol, il avait 28 ans à l'époque, il était tellement violent qu'il en avait perdu le langage. Il s'exprimait, on avait vraiment de la peine à le comprendre. Il avait été mis partout dehors, tellement il était violent. Et on a commencé à l'accompagner. On lui a demandé s'il était d'accord qu'on prie pour lui. Il m'a dit, oui, je suis catholique. On lui a dit, mais nous, on prie au nom de Jésus. Oui, c'est bon. Pendant 33 séances, on a prié. Chaque fois, il pleurait. Il me serrait la main très fort derrière. Il a 34e, il s'est converti. Et c'est un agneau. C'est-à-dire, c'est cet homme hyper violent. Et il parle bien. Alors, dans le texte, vous avez peut-être noté qu'il y a un passage qui est un peu mystérieux. C'est contraint les d'entrer. Ces personnes nous sommes appelés à les chercher. Parce que je crois que nous sommes les invités qui sont devenus des serviteurs pour aller chercher les autres. Contraint-les d'entrer. Depuis quand on utilise la contrainte? Alors la compréhension que j'ai reçue, c'est qu'on va recevoir une onction d'esprit tellement forte qu'ils ne pourront pas ne pas venir. C'est ça contraint-les d'entrer. Ça va être vraiment puissant, parce que le Seigneur aime ces personnes. Et la force de l'amour, elle est plus grande que la force de la honte. Et la salle sera pleine. C'est une bonne nouvelle. Hein, on a du travail, c'est une bonne nouvelle aussi. Et des belles promesses, mais on va finir ce texte. Parce qu'il y a encore un passage important. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds, les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Est-ce que ce n'est pas un passage un peu sévère pour quelqu'un qui a juste oublié de passer au vestiaire? Peut-être qu'au moment où il a été, il n'y avait plus d'habits à sa taille. Non. Non, dans la Bible, l'habit est le symbole de qui nous sommes. Lorsqu'on a un nouvel habit, c'est qu'on est une nouvelle personne. Une personne transformée. Mais il est possible malheureusement, il y a des personnes qui arrivent à tromper tous les chrétiens. Il y a eu Ananias et Saphira. Ça a été heureusement détecté à l'époque. Je vous laisse imaginer une histoire comme Ananias et Saphira aujourd'hui, le lynchage de Pierre, avec toutes les églises au premier rang. Quel manque d'amour. Puis on a utilisé les jeunes. Vous vous rendez compte, les jeunes? On a exploité
Les jeunes, on les a mis en contact avec un mort, on les a forcés à sortir un corps, mais quelle horreur! On est très, 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 très loin. On s'est tellement éloigné des standards bibliques. Et on n'arrivera pas à discerner tout le monde, mais le Seigneur, lui, arrive à discerner. Et ce nouvel habit, c'est clair que c'est l'habit d'en haut, c'est la transformation. Et c'est la suite de notre histoire chrétienne. Après avoir répondu positivement à l'invitation, il faut voir que ces gens sont... Alors que c'est clair que c'est une image, mais ces gens sont entrés et ont été complètement transformés. Et je crois d'ailleurs que les serviteurs qu'il envoie, ce n'est pas uniquement les anges, c'est aussi les personnes transformées. Je vais lire un texte bien connu de Romains, chapitre 12, les versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alors, je ne sais pas si on demande ce qu'est un culte raisonnable, si on répond, c'est offrir son corps. Et c'est important, ce n'est pas offrir la tête. On est très doué pour offrir la tête. Non, non, c'est le corps. C'est le corps et c'est important. Il n'y a pas de place pour ceux qui font semblant, justement. Et ceux qui font semblant, ils auront en fait la pire des places. Parce qu'ils ont goûté, ils ont vu. De l'intérieur, ils ont vu combien Dieu est bon. Ils ont vu sa générosité. Ils ont vu les personnes transformées. Ils ont tout vu. Et vont être jetés dans un endroit que la Bible dit, un endroit avec des pleurs et des grincements dedans. Aïe! On ne plaisante pas avec Dieu. Et ce nouvel habit de restauration, c'est quoi de manière concrète? C'est qu'on passe... On sort de la honte. On sort de la honte pour recevoir un bel habit. Vous savez, on est tous des sacrificateurs. Vous avez vu, j'ai un blanc, le frère de Moïse. Isaac. Aaron, excusez-moi. Aaron, vous avez vu comment il était vêtu? C'est un magnifique habit. Et l'habit qu'on reçoit, c'est un magnifique habit. Il ne reste rien de la honte. Rien du tout. Et à la place de la saleté, il y a la pureté. C'est quelque chose de très important. Les personnes qui ont vécu des abus, elles n'arrivent pas à se débarrasser d'un sentiment de saleté. Et là, il y a une pureté qui vient. Il y a une pureté qui vient. À la place de l'insécurité, c'est la paix. À la place de la tristesse, c'est la joie. Moi, je me rappelle, j'étais tout jeune converti, j'ai lu la référence « Soyez toujours joyeux ». J'ai dit « Oh Seigneur, là tu m'excuses, je ne pourrais pas t'obéir. » Parce que j'étais quelqu'un de complètement, moi j'étais complètement fermé. Je veux dire, la joie, c'est le truc totalement insupportable. Il y a tellement d'injustices dans le monde que la joie, ce n'est pas possible. Alors, je n'avais pas compris que la joie, c'est une transformation. C'est parce que Dieu agit, l'Esprit agit en moi, que ça produit la joie. Il y a un fruit de joie, c'est un fruit, la joie. Et à la place de la solitude et les personnes maltraitées, je crois que la majorité souffre de solitude. C'est elles qui remplacent la famille. On passe de solitaire à être la famille, à être la famille de Dieu. Et je crois qu'on va, je veux dire,
On le vit dans les séminaires, on le vit autrement des fois, quelques heures par semaine. Je veux dire, certains chanceux, c'est peut-être plusieurs heures par jour qui sont avec d'autres chrétiens. Moi, je me rappelle de périodes où je voyais un chrétien peut-être tous les 3-4 mois. Mais tout est prêt. Tout est prêt. Et j'aimerais relire. Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Alors je ne sais pas maintenant la suite, j'ai préparé jusqu'ici, j'ai à cœur deux temps de ministère, un temps pour recevoir des nouveaux habits. Un temps pour que ceux et celles qui ont un habit d'indignité sur vous, si vous avez comme un habit, soit un sentiment d'indignité, un sentiment... Moi j'ai eu longtemps que j'étais comme un footballeur qui prenait un carton rouge avant qu'il entre sur le terrain. J'avais rien fait, j'avais déjà pris mon carton. Je pouvais pas faire partie. C'était comme ça. Alors c'était un mensonge de l'ennemi. Et puis Michel n'est plus là, mais moi je la remercie publiquement parce que c'est elle qui m'a ouvert la porte. C'est la seule qui m'a ouvert la porte, il y en aura d'autres, mais la seule, la première. Et merci, merci Seigneur pour Michel. Merci pour cette porte ouverte. Merci pour les bénédictions. Et Seigneur, maintenant là, c'est toi qui agis. Tu agis déjà. Moi, je te vois dans cette salle. J'ai vu avant qu'il y avait de la beauté, qu'il y avait de la beauté. Et j'appelle cette beauté à se manifester. J'appelle cette beauté à se manifester parmi nous. Cette beauté qui vient d'en haut. Pas la beauté de l'homme, pas la perfection des choses humaines, mais la beauté d'en haut, la beauté qui renouvelle, la beauté qui transforme, la beauté qui illumine. J'appelle cette lumière que j'ai vue sur ces personnages et cette lumière incroyable. J'appelle cette lumière, Dieu de lumière, viens parmi nous, Dieu de lumière, viens. Viens éclairer, viens montrer ta beauté, tu as fait des belles personnes ici, et tu veux le montrer à elle-même et tu veux le montrer publiquement. Oh, c'est toi Seigneur, c'est toi. Oh, la part de l'ennemi, elle est finie. La part de l'exclusion, la part du rejet, c'est fini dans le nom de Jésus. L'exclusion et le rejet, c'est fini maintenant. C'est fini. Oh, venez. Si vous avez besoin d'une nouvelle robe, avancez. D'un nouvel habit, avancé. Oh là là, Seigneur, oh Seigneur, que ta beauté descende, sur chacun, chacune de vous, pour enlever la souillure, que ta beauté vienne enlever la souillure maintenant dans le nom de Jésus, que ta beauté vienne enlever la souillure, toute souillure, tu l'enlèves maintenant,
tu l'enlèves du plus profond, tu l'enlèves ta beauté, ta pureté, Seigneur. Oh Seigneur, moi j'aime ta pureté, oh viens, viens bénir, viens bénir, oh viens bénir, viens bénir, oh viens poser des flammes de feu, viens poser des flammes de feu, Seigneur, viens faire ce que nous ne pouvons pas faire, parce que nous ne pouvons pas. Moi, je ne peux pas vous guérir. Mais le Seigneur, mon Seigneur, il peut. Et il veut vous guérir. Il veut recevoir ce nouvel habit. Recevez ce nouvel habit. Recevez ce nouvel habit dans le nom de Jésus. Recevez. Recevez cette identité d'en haut, cette vraie identité. Recevez. Sois béni, Patrick. Sois béni, Patrick. Patrick, sois béni. T'es mon frère. T'es mon frère. Je prie pour que tu reçoives la totalité de la restauration que le Seigneur a prévue pour toi. Et tu vas amener de la beauté. Tu vas amener de la beauté. Je vois, j'ai vu que ton violon, il est connecté à, il est connecté au ciel. C'est pour amener de la beauté du ciel. La gloire, elle n'est pas sur toi. La gloire, elle est au ciel. Mais il veut t'utiliser. Et il veut bénir ton cœur. Il veut bénir ton cœur. C'est ton cœur est plus important que ton violon. Oh, il a besoin des deux. Mais il veut d'abord bénir ton cœur. Oh, tu le fais, Seigneur. Tu le fais. Tu le fais. T'es un grand Dieu. T'es un grand Dieu. Oh, oh, moi je suis tellement réjoui de vous voir. De vous voir. Oh, de voir les. Il y a des flots qui viennent. Oh, il y a des flots qui viennent. Oh. Je suis dans la machine de Donos. Je suis dans
Ramayana, Ramamaya, Romeshé, ton amour, Ramayana, la fée, Seigneur, qui me disait, il y a plusieurs personnes ici qui sont passées par la croix et mon sang a coulé sur eux. Mon sang a coulé sur eux et leurs vêtements ont été lavés. Mais ils se voient encore sales, ils se voient encore souillés. Le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, regarde-toi comme moi je te vois. Ta robe est blanche. Je l'ai purifiée par mon sang. Ne te vois pas sale. Viens à moi, simplement. Je vais guérir ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. Je suis là. J'ai le regard sur toi. Je touche ton cœur maintenant. Je pense tes plaies, tes blessures. Tout ce qu'on t'a fait dans ta vie n'a pas terni ta robe pour toujours. Elle n'est pas souillée, ta robe. Elle est passée par la croix et mon sang a coulé dessus. Je t'aime. Je suis en train de guérir en ce moment même ton cœur. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire dans ma douce présence. Je t'aime, te dit le Seigneur. She
Merci Seigneur pour ta présence, pour ton amour Seigneur. Beaucoup de cœurs sont guéris. Nous te bénissons notre Dieu. C'est toi qui le fais Seigneur. C'est toi qui le fais Seigneur. On te doit tout mon Dieu. Priez en langue. Élevez vos voix, élevez vos voix. Le Seigneur est là. Il est là, notre Dieu. Parlez-lui. Priez en langue. Vous n'êtes pas un peuple sans berger. Vous n'êtes pas abandonné. Vous avez rejoint la bergerie. Vous avez rejoint le bon berger. Le bon berger qui prend soin de ses brebis. Vous avez juste rejoint ce bon berger. Laissez-vous conduire. Il a un chemin pour chacun de vous. C'est pas ce qu'on vit aujourd'hui qui est important, c'est pas ce qu'on vit cette semaine qui est important. C'est ce qu'on ramène à la maison et qui reste. C'est ce qui reste, c'est la transformation d'en haut. Et la transformation d'en haut, c'est ce qui reste. Et je prie que l'ennemi ne puisse pas vous voler. Ne veut pas vous voler parce que vous êtes dans la bonne bergerie. Parce que vous êtes le père, c'est le bon berger qui s'occupe de vous. C'est le bon berger. Il ne laisse pas l'ennemi vous voler. Ce que vous avez reçu aujourd'hui ne sera pas volé. Je le déclare dans le nom de Jésus. Ce que vous avez reçu ici, ces habits nouveaux, ils ne seront pas volés. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas un qui va essayer de vous les voler, mais résistez-lui, vous avez la force de lui résister et de dire non, je veux vivre en nouveauté de vie, je veux vivre avec l'habit que Jésus m'a donné, je veux vivre avec lui, je veux vivre avec l'Esprit Saint en moi, je veux vivre ses promesses, je veux vivre tout ce qu'il m'a donné. Tout ce qui m'a appelé à vivre, je veux le vivre. Oh. J'avais prévu un deuxième appel pour les personnes que le Seigneur envoie. Mais je crois que... Okay. Je crois que la majorité d'entre vous, ce sont les personnes que le Seigneur a guéries qui deviennent ses serviteurs. C'est ceux qui ont eu le cœur touché. C'est vous, c'est nous.
et encore d'autres, encore beaucoup d'autres. Mais le réveil en France, ce sera un réveil de puissance. Ce sera un réveil de puissance, mais de puissance de transformation dans beaucoup de vies, chez beaucoup de petits. Ça ne va pas être des grands, ça va pas être des grands. Les grands ministères, c'est des exceptions. C'est pas des grands, c'est beaucoup de petits, mais beaucoup par la puissance de l'esprit. Beaucoup par la puissance de l'esprit. Rentrez avec le feu chez vous. Pour transformer c'est d'abord vos vies, ensuite vos familles, vos proches, vos amis et tous ceux vers qui le Seigneur vous appelle. Wow! Oh Seigneur! Oh!